Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le fil du myope. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Vous l'avez sans doute compris, hein, c'est tout simplement parce que quand on a des lunettes et puis qu'on est en concert, on est en train de faire une cover, etc., on est à fond dedans, des fois les lunettes, elles descendent comme ça, elles descendent. Et le but du jeu, là, je vais vous présenter un fil aujourd'hui pour vous, si vous avez des lunettes aussi, qui va vous libérer la main gauche pour que vous puissiez remettre vos lunettes comme ça, tranquillou. Alors évidemment, si vous n'avez pas de lunettes, bah, vous pouvez quand même vous servir de ce fil pour vous gratter, ou je sais pas, pour choper n'importe quoi, ramasser une baguette si vous en avez fait tomber une. Allez, assez parlé, donc c'est parti pour le fil. Le principe, c'est quoi? Donc on va jouer un fil qui tient sur une mesure complète, et au début, on va uniquement jouer avec notre main forte et avec la grosse casse. Le fil est composé de double croche, donc 4 notes par temps. On va remplir une mesure, donc au total, il y aura 16 notes. Et les 10 premières notes, en fait, bah, c'est un groupe de 5 notes qu'on va jouer deux fois de suite. Et si on le joue deux fois de suite? Donc là, on a fini avec une grosse caisse. Tout de suite après, on va rajouter une grosse caisse. Donc il y aura un double coup de grosse caisse. Puis après, droite, gauche, grosse caisse, droite, gauche et crash plus grosse caisse pour la fin du fil. Donc à partir du coup double de grosse caisse, ça donne ça. Si on reprend le fil depuis le début, alors évidemment, l'un des intérêts de ce fil, en plus de libérer une main hein, pour se remettre les lunettes, bah, c'est de travailler notre coordination main-pied. Et en particulier, d'avoir une belle fluidité, c'est-à-dire qu'il y ait exactement le même intervalle entre chacune des notes. C'est pas forcément évident au début, sachant que bah, les grosses caisses, il faut bien les caler au bon endroit par rapport à ce qu'on joue avec les baguettes. Donc c'est important de travailler tout ça au métronome, d'abord à vitesse modérée, partez d'un tempo voilà, plutôt lent qui vous convienne, comme par exemple 50 ou 60, pourquoi pas 70 battements par minute. Je vous en fais la démonstration d'ailleurs à 70, c'est parti. Allez, on se refait sans musique, c'est parti. Voilà, bah maintenant vous savez ce que vous avez à faire quand vous avez besoin de remettre vos lunettes ou que vous paumez une baguette, vous avez besoin d'en choper une autre, bam, vous balancez ce fil. Voilà, donc en plus d'être un fil sympa, et ben c'est un excellent exercice de coordination. Pratiquez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que vous allez trouver les partitions PDF du fil dans la description de la vidéo ci-dessous, comme ça vous pouvez l'imprimer, le travailler tranquillement à votre batterie. D'autre part, si vous êtes membre de la famille, vous allez trouver la boucle audio sur laquelle j'ai joué le fil. Vous allez la trouver dans votre onglet ressources de votre espace famille. Et voilà, bah, si vous avez aimé cette vidéo, dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et moi, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!